Bonjour, ici Lolo du 451 et aujourd'hui je vais vous présenter l'application Quick Lock 2 qui permet en fait tout simplement de verrouiller très rapidement votre iPhone, iPod Touch ou iPad jailbreaké, d'autant plus si votre power bouton est cassé, admettons. Même si votre power bouton il est cassé, vous pouvez déverrouiller votre appareil sans souci à l'aide du home bouton. Admettons si je suis sur un écran totalement noir, je clique sur mon home bouton et voilà, je peux entrer mon code, il n'y a pas de souci, j'ai pas besoin d'utiliser le power bouton. Pour le verrouiller, en revanche, j'en ai besoin. S'il est cassé ou si vous voulez faire plus rapidement, il y a l'application Quick Lock 2 qui est disponible gratuitement sur ma source numéro 1, Jailbreak Devise, que vous retrouvez dans la description de la vidéo, et elle est également gratuite sur Cydia, sur le repo de MonMy. Tout ce que vous avez à faire, en fait, c'est d'installer l'application. Moi, je vous conseille de la mettre dans le dock, comme ça, vous l'avez toujours sur votre Springboard, partout où vous êtes. Vous cliquez dessus, et l'iPod ou l'iPhone se verrouille automatiquement, et aussi simplement. Donc voilà, en fait, y a pas plus simple. Y a Quick Lock et Quick Lock 2. Donc Quick Lock, c'est pour l'iOS 3.0 et plus, et Quick Lock 2, c'est pour le 4.0 et plus. Ça marche sur tous les firmwares. Là, je suis accompagné de mon iPod Touch 4e génération jailbreaké sous le firmware 4.3.3 avec Red Snow, et l'application fonctionne parfaitement. Vous cliquez dessus et l'iPod s'éteint. Donc voilà, c'est ça, c'était Lolo du 451 pour vous présenter l'application Quick Lock qui vous permet de verrouiller rapidement votre iPhone ou iPod Touch sans passer par le power bouton. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'oubliez pas de cliquer sur s'inscrire, ce qui vous permettra de recevoir toutes mes prochaines vidéos. Vous pouvez également visiter mon site internet jailbreakdelete.com. Vous retrouverez un lien dans la description de la vidéo. À bientôt pour une prochaine vidéo.